por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Mange les biscuits, mange les biscuits, que c'est bon. Maman, la voilà. Ah. Bonjour. Anna Julia, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle surprise! Tu peux demander à ta femme. Elle, elle pourra tout t'expliquer. N'est-ce pas, Valéria? Maman! Anna Julia, bienvenue. Comment ça va? Ah, je suis contente que tu sois ici. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hier, Anna Julia et moi, on s'est rencontrés. Quoi? À la messe de Patty. Et on s'est mises à parler, nous rappeler les bons souvenirs, bon... Toute notre amitié et ces choses qui nous unissent. Maman! Et qui vont nous unir pour toujours, hein. Bon, viens, entre, assieds-toi, allez. On a eu une conversation très très intéressante. On a vécu tellement de choses. Oui. Et donc maintenant, grâce à ça, Anna Julia et moi, on a décidé de redevenir amies. Comme au bon vieux temps. Alors, on va voir Anna Julia très souvent à la maison maintenant, n'est-ce pas? Bon. Tant mieux. Moi, je me suis toujours dit que vous ne deviez pas vous fâcher, n'est-ce pas? Vous êtes toujours amies. Et Anna Julia, tu es ici chez toi, quand tu veux. Hein? Et si on n'est pas là, cette petite princesse te recevra les bras ouverts, pas vrai? Hein? D'accord. Je peux la porter? Bien sûr. Papa! Viens ici! Voilà. Oh. Oh là là! Viens, ma belle, comme je t'aime. Je t'aime, ma petite. Tu vois, Andrea Carolina, celle qui te porte, c'est quelqu'un de très spécial pour maman et papa. Hmm? Et pour toi, eh bien, c'est comme une seconde maman. Hein? Ah, ça va pas de vouloir aller manger au village? Non, 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 c'est ici qu'on fait les meilleures arepas. Ah, arepas! Oui, et les miennes, pas celles de ma fille qui les fait toujours brûler. Mais bon, je dis ça, je ne dis rien, hein. Ah, je meurs d'envie de manger des arepas. Bayardo, si tu savais, tu sais depuis combien de temps je n'ai pas mangé une arepa? Oui, ah, mais... On habite à Caracas. Ouais. Les meilleurs, c'est à la maison, hein. Bon, hein, je dis ça parce que... Si vous saviez toutes les fois où j'ai dû déménager pour fuir avec la petite, hein. D'ailleurs, comment va Andreina? Eh bien... Elle est magnifique. Magnifique.
et encore plus que ce que toi tu t'imagines. C'est mignon. Bon, vous savez que... qu'elle est aveugle, non? Aveugle? Mais pourquoi? Pourquoi elle est devenue aveugle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, Claudia, un jour... on s'enfuyait dans la forêt et elle m'a échappé, elle est tombée et... Oh non. Oui, la lumière a quitté ses yeux. Mon Dieu. Quelle horreur. Oui, il m'a dit des choses très dures, Margarita. Il m'a dit que comme je suis aveugle, je suis limitée, je ne peux pas m'occuper de mon fils. Que dans une situation de danger, je ne peux même pas protéger mon enfant. Incroyable. Et tu sais le pire, Margarita? Je n'ai pas pu le contredire. Je n'ai pas pu parce que... parce qu'il a raison, parce que... Je m'imagine que si cet assassin arrive et qu'il nous trouve seuls tous les deux, je ne vais rien pouvoir faire pour le défendre. Aveugle comme je suis, je fais comment? Comment? C'est que une situation comme ça est très difficile, Chari. Oui, mais je ne crois pas que m'en aller avec le petit à Caracas soit la seule solution. Il doit bien y avoir autre chose. Quoi d'autre? Quoi d'autre à part t'éloigner de la menace qui pèse sur ton père? Je ne sais pas, Margarita, je ne sais pas. Je sais pas, mais tu vois... En fait, je ne suis pas sûre que m'éloigner de mon père soit une garantie suffisante pour sauver ma vie et celle de mon fils, je ne crois pas. Hein? Tu es si jolie, ma petite princesse. Oui, tu sens bon, mais comment on fait pour ne pas t'aimer? Elle aussi, elle t'aime beaucoup, Anna Julia. Figure-toi qu'elle ne lâche pas la poupée que tu lui as offerte, même au lit. Pas vrai, mon amour? Oui. Tiens. Bon. Bon, oui, on s'en va, ma princesse. Tu restes ici avec ta deuxième maman. Tiens, prends ces gâteaux. Merci. Oui, c'est pour toi. Et bienvenue de nouveau, Anna Julia. Reste tant que tu veux, hein? On y va? Oui, on y va. Ciao, bisous, ciao. À tout à l'heure. Au revoir, mon bébé. À tout à l'heure. Tiens. On est enfin seul, ma chérie. Regarde. Regarde. Je dois... Oui, ma chérie, écoute-moi. Je dois te dire un secret très important. C'est que, oui, ma chérie, je suis ta maman. Je suis ta maman. Je suis ta vraie maman, ma chérie. Tu m'entends? Je suis avec toi et je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Et comment fait-elle pour se débrouiller toute seule? Bon, ben, la réalité, c'est que ma fille est vraiment spéciale. Elle a appris à développer un sixième sens. Alors, elle se débrouille beaucoup plus sûrement que n'importe lequel d'entre vous. Et où est-elle? Eh ben, en ce moment, elle est allée faire un contrôle médical chez le pédiatre. Ouais. Ah, d'accord. Ah oui, alors donc tu es grand-père. Oui, oui, c'est merveilleux. Je suis grand-père, hein, je suis grand-père. Mais bon, on va manger, hein? Oui. Je vais t'aider. Je sais que ce voyage en bus est peut-être luxueux, tout ce que vous voulez, mais c'est fatigant, hein? Ah, et en plus que ça sent bon. Ah, vraiment, je suis content que vous aimiez les arepas. Que vous aimiez ça. Elles sont faites à la maison et par mes soins. Merci. Ah, attends, je vais mettre ça ici. Il manque les couverts. Oui, s'il te plaît. Et en définitive, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez réfléchi? Eh bien, bon, avant tout, il faut qu'on retourne à Caracas aujourd'hui même. Comment ça, aujourd'hui? Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à demain? Non, je suis vraiment venue en dehors de mon travail. Mais dès que j'ai appris que tu étais ici, je me suis échappée pour pouvoir t'embrasser et te serrer contre moi, vraiment. Et aussi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ah, oui. C'est quoi? Eh bien,
Je travaille à Rome pour des entreprises de Caio. Caio Gabaldon. Ok. Quand tu vas enfin apprendre la nouvelle... On va le faire. Et que ce soit à la grâce de Dieu. Dieu le veut. Merci, merci. Dieu le veut. Merci, merci, merci. Ça y est, c'est fait là. La vie est vraiment belle, non? Je te serai toujours reconnaissant. Toujours. En mon nom et au nom de Ronaldo. Parce que le jour où on lui mettra ce bébé dans les bras, il va nous adorer. Il va nous adorer pour toujours. Elle, c'est ma fille, Ronaldo. On a eu un enfant, elle, c'est notre fille. Maman. Je ne sais pas, ma petite. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je t'assure d'une chose, plus jamais on ne va être séparés, tu entends? Plus jamais tu ne vas être séparée de ta maman. Oui, ma chérie, un gâteau? Tiens, oui, voilà, tiens, mange. Non, non, je ne pleure pas, non. Je suis contente, hein. Regarde, tu vois? Et moi? Laissez-moi vous dire, Monsieur Caillou, que pour moi aussi c'est un honneur parce que je connais vos références. Et absolument toutes. Vraiment, vous êtes une des personnes, ou plutôt un des hommes que j'admire le plus. Alors, Caillou. Apparemment, tu as envie de faire comme Sébastien. Et si c'était le moment de trouver une petite amie? C'est vraiment délicieux. Mmh. Et vraiment à point. Eh ben, hein? Tant mieux. Ah ben, moi, j'ai fait du café, mais c'est très chaud. Hein? Dis-moi une chose. Comment tu es entré dans cette entreprise? Ça s'est fait par hasard? Non, pas du tout. Mmh. Caio est un homme vraiment éveillé et intelligent. Mmh. Et tout a été prémédité et étudié. J'ai tout fait en calculant mon coût. Et maintenant, je suis la personne de confiance de l'entreprise. Tant pour lui que pour ses enfants. Qu'en dis-tu? Très bien. Ouais, ouais, c'est ce dont j'avais besoin. Arriver à infiltrer quelqu'un dans son entourage. L'entourage de confiance de ce criminel. Bayardo, on a besoin de toutes les preuves pour que ce salaud pourrisse en prison. Et pour toujours. Mais on va les trouver. Toutes. Et en plus, cette espèce de salopard est tombé amoureux de notre belle Claudia. Ah bon? Ok, tu trouves pas qu'on a une chance phénoménale avec tout ça? Oui, il faut qu'il paye pour tout, hein. Alors, ce vieux dégueulasse est... avec... oui, puisque je te le dis. Incroyable, hein. Attention, hein. C'est un serpent vénéneux, hein. Du calme. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Et je vais vous dire un truc à tous les deux. Si la vie m'a offert cette possibilité, sur un plateau, je ne pense absolument pas la refuser. Les arepas sont délicieuses. Je ne comprends pas, Charlie. Comment Roquet peut être accusé d'avoir tué sa propre femme? Ben oui. Écoute. Je ne peux rien te dire. Est-ce que tu peux me lire ça? Qu'est-ce que c'est? Ça dit quoi? Mais c'est quoi ça? Je peux pas croire ce que je vois. Je ne comprends pas comment c'est possible. Plus j'y pense, plus j'y réfléchis. Et moins je comprends. Je sais pas. Non. Il doit y avoir une erreur. Non, vraiment. Je comprends rien. Je sais pas, Margarita. Je sais pas parce que...
parce que mon père ne ferait pas de mal à une mouche, parce que ça lui fait trop pitié. Comment on peut penser qu'il a tué ma maman? Comment est-ce que c'est possible, Margarita? Il doit y avoir une erreur, ce sont des mensonges, c'est Allez, pas vrai. Allez, s'il te calmer, Charlie, faut te calmer. Il faut que tu parles avec lui. C'est le seul à pouvoir te dire ce qui s'est passé, le seul, tu m'entends? Il était une fois une princesse appelée Andrea Carolina et sa maman, qui avait tant rêvé d'elle, a rendu possible sa naissance. Viens ici, oui, mon bébé, viens. Et elle a rendu ses petites mains. Regarde, ma main, voilà ta poupée. Elle a rendu possible ses cheveux et ce petit cœur. Oui, mon cœur. Et maintenant, ce beau bébé va remplir ses jours d'espoir, d'illusions. Je t'aime, hein? Viens, regarde. Allô? Ta maman t'aime. Dis allô. Hein? Ta maman t'aime. Regarde une autre poupée. Mais tu es la plus belle. Où tu vas? Tu veux cuisiner? Viens, on va cuisiner ici. Regarde. Amélia, s'il te plaît. Ah, docteur, je termine tout de suite et j'arrive. Amélia. Oui, docteur. Tu finiras après, s'il te plaît. Ferme la porte. Merci. Assieds-toi, Valeria. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est, Anna Julia? Qu'Andrea est sa fille? Oui, elle le sait. Alors, elle sait que tu as pas fait une fausse couche? Oui, elle sait tout, Corinna, elle sait tout. Ah, oh, je suis contente, Valeria, grâce à Dieu. Ça veut dire que tu m'as écoutée, que tu lui as tout dit, c'est ça? Tout. Mais tu es bête ou quoi? Parce que tu crois vraiment que j'allais tout lui dire? Non. Elle m'a juste entendu parler avec le père, Lorenzo, à l'église. Comment? Oui, elle a tout entendu. Je pensais qu'elle était partie et en fait non. Elle était en train d'écouter ce que je racontais au père Lorenzo. Elle a compris que je n'avais pas fait une fausse couche et que je lui avais menti. Quoi? Oh. Alors, Ray, raconte, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une de ces têtes? On dirait un zombie. On t'a enfin pardonné pour l'autre jour? Enfin? Non, Juancho, c'est encore mieux. Il semble que Valeria et Anna Julia, apparemment, ont refait ami-ami. Vraiment? Oui. Mais ça, c'est bien, non? Oui. Pour toi et pour... En fait, pour tous les trois. Oui. Anna Julia est venue nous rendre visite ce matin. Oh. Et elle est restée jouer avec Andrea et tout. Elle y est toute seule. Ah. Oui, mais ça... Je ne sais pas si c'est si bien que ça, hein. Et pourquoi pas? Ray, parce que cette femme te plaît vraiment beaucoup. Et l'idée, c'est de défaire les nœuds, pas de les refaire. Tu vois, au contact de cette femme, son corps... Ses allures... On est faible, tu sais. On est faible, vraiment, par nature, tu vois. Alors cette femme arrive, et là, tu... Votre première patiente est là, docteur. Ok. Merci, Assunta. Merci. Ray. Dernièrement, mon cabinet est devenu le boulevard des bombes sexuelles, mon frère. Écoute, j'ai de ces merveilles qui entrent par cette porte. Des bombes sexuelles, mon frère. Des bombes sexuelles. Ah, si tu veux, tu peux rester pour voir, même. Sois sérieux, enfin, sois sérieux.
Tu es médecin, sois sérieux. Bonjour. Bonjour. Bonne journée, mon grand. J'ai beaucoup de travail, Myrna. Je me sens mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Avec des nausées, envie de vomir. Tu veux que je t'apporte un jus d'orange ou autre chose? Tu as mangé? Oui, Myrna, oui, toujours la même chose. Mon jus de concombre, je l'ai pris. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment. Un truc que tu as dû manger hier soir. C'est peut-être une mauvaise digestion. Mais non, Myrna, puisque la dernière chose que j'ai mangée, c'est une salade et une carotte. Il va falloir faire des analyses alors, Maruja? Des analyses? Moi? Des analyses? Non, 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 ça doit être un virus, un truc passager. Ne t'en fais pas, je vais appeler Anna Julia, elle est partie si tôt que je ne m'en suis pas rendu compte. Ok? Ok. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Impatiente, hein? J'arrive, j'arrive, ne vous inquiétez pas. Assunta, pourquoi tu ne les as pas fait passer, elles, en premier? Parce que Marianne était le premier et en plus, il a payé à l'avance. Assunta, qui est Marianne? Mario Perdalette. Patient Mario Perdalette. Je le fais pour mes futurs enfants et pour la médecine. Ah, heureusement que je n'étais pas là, Valeria. Oh, j'imagine que tu as dû mourir de honte à ce moment. Oui, c'était vraiment le cas. C'était vraiment l'horreur. Il vaut mieux essayer d'oublier ça, Corinna. Bon, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La bombe a explosé? Rinaldo est au courant de tout, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle ou quoi? Et alors? Écoute, j'ai eu tout le mal du monde à convaincre Anna Julia. Mais heureusement, grâce à Dieu, elle a accepté de me laisser du temps pour... du temps pour résoudre la situation avec Rinaldo, avec ma famille, avec tout le monde. Non, 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 non. Attends. Après tout ce que tu as fait à Anna Julia, elle a accepté tes conditions? Bon, mais écoute, Corinna, les choses n'ont pas été si faciles que ça. Hein. Elle a posé ses conditions, à savoir qu'elle veut voir Andrea quand elle en a envie. Je ne peux même pas lui imposer d'horaire de visite. Tu imagines? Oh là là, tu es mal, Valeria. Tu es très mal. Oui, 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 je suis mal. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire, Valeria? Il n'y a rien à faire, absolument rien à faire. Anna Julia est au courant, voilà. Allô? Oui, quoi? J'arrive. Valeria, il n'y a rien à faire. La seule chose à faire, c'est affronter la vérité et toutes ses conséquences. Ce n'est pas un jeu, Valeria. Oui, Maruja, je vais bien. Oui, je me suis levée tôt, je ne voulais pas te réveiller. Oui, je te raconte après. Je suis allée voir quelqu'un de très spécial. Et on peut savoir qui c'est cette personne si spéciale? Parce que ça s'entend dans ta voix que tu es super contente. Ne me dis pas que Roquet est venu. Non, 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 non. Pas du tout. Je suis avec Andrea Carolina. Andrea? Tu es chez les Gabaldon? Oui. Ah, Anna Julia, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave? Rien, Maruja. Ne t'en fais pas. Je te raconte tout après, hein? Ciao, je t'aime. Bon, bis, fais attention à toi. Ah, mon Dieu. Anna Julia, Anna Julia, Anna Julia. Je me sens vraiment mal. Je me sens mal. Juancho Gabaldon, je te jure sur ma vie que je ne vais jamais plus aller au Bouiboui d'Arrojo. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Prénom? Mario. Mais tu peux m'appeler Mariano. En toute confiance. Monsieur Mario. Non? Perdalette. Mario Perdalette. Bien, monsieur Perdalette. Dites-moi, quel est votre problème?
Un problème, docteur? Mais c'est une tragédie. J'ai vu un chirurgien pour me mettre des belles fesses. Et ce mec-là était si bête, mais si bête, que c'en était pathétique. Il m'en a mis une beaucoup plus grosse du côté droit. Regardez-vous-même. Sur la table, s'il vous plaît. Dites-moi. Ah, docteur, si vous saviez, le pire, c'est que mon petit copain, Sacha, il aime bien les belles miches bien rondes. Je veux des belles miches pour Sacha. Alors, docteur, je me remets entièrement entre vos mains. Allez-y, touchez-les, docteur. On va voir, on va voir, on va voir ce qui se passe. C'est terrible, docteur, c'est vraiment terrible. Si vous saviez comme je souffre quand j'essaye de m'asseoir, touchez, docteur, touchez carrément. Vous voyez, il y a une horrible différence. J'ai une fesse beaucoup plus grosse que l'autre. Touchez, docteur. Allez-y carrément. Oui, oui, oui. D'accord, ok, d'accord, docteur. D'accord, ok. Quand est-ce que tu viens? Je ne peux pas partir tant que je n'ai pas résolu la situation avec Charlie. Tu comptes faire quoi? Je vais lui parler, je te rappelle. Bien. Je n'ai plus de batterie, là. Mais souviens-toi que Claudia Montero veut une réunion le plus vite possible, alors tu reviens aujourd'hui, d'accord? D'accord? Oui. Dieu te bénisse. Non, merci, ça va. Oui. Mm-hmm. D'accord. C'était délicieux, hein? Merci. Caio Gabaldon, ils ne doivent vraiment pas se douter que je suis ici, avec toi, en train de déjeuner. Mais une question, ça fait combien de temps que tu es allé à Medellin pour enquêter sur tout ce que tu viens de me raconter? 10 ans. 11 ans. 11 ans que j'ai failli avoir des preuves sur ce qu'il a fait à Aker Blessman. Oui, 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 c'est ça. Pourtant, tout était parfaitement clair, tout était résolu. Il avait une confiance totale en son assistant. Et à partir de là, il lui a demandé d'être son prête-nom de manière à protéger l'entreprise. Ouais. Et c'est précisément là que tout, absolument tout, a été mis au nom de Caio Gabaldon. Oui, mais au moment de lui rendre les biens, il n'a pas fait le transfert. C'est là qu'ils se sont disputés et que Blessman a fait un infarctus. Hein? Oui, ça l'a bien arrangé. Mmh. C'est comme ça que ce salaud est devenu millionnaire d'un jour à l'autre, non? Mais ce qu'il était loin d'imaginer, c'est que Marcella Montero attendait sa propre fille. Oui, c'est ça. C'est ça. Et que cette fille est précisément Claudia Montero, dont il est red dingue. Bayardo. Mmh. À cause de lui, tu n'as plus de femme. Et ta petite Andréina a perdu sa mère. Tout ce mal que ce salaud t'a fait, je te jure qu'il va le payer. Attends, Claudia. Qu'il nous a fait. Qu'il nous a fait. À tous. Il va le payer. Oui. Il va le payer. Quoi, mon bébé, ça va? Non? Ah, je vais te donner un gâteau, ma princesse. Oui, ma jolie, ma très jolie, très jolie. Anna Julia, comment ça va? Bien. Je suis content de te voir. Coucou, ma belle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici si tôt, dis donc, hein? J'ai voulu passer la matinée avec la petite. Ah bon? Dis bonjour à papy. Bénissez-la donc, que Dieu te bénisse, garde et protège cet amour de petite fille. Monsieur Caio, vous permettez, je vais lui donner un gâteau. Ah bon? Oui, quelque chose à manger. J'y vais. Ah, d'accord. Viens, on y va, on y va. Martina? Oui, monsieur. Vous sortez? Oui, Martina. Je sais pas ce qui se passe ici, mais... Mais ne perds pas de vue Anna Julia et la petite... C'est compris? Oui, oui, bien sûr. Je vous remercie. Comme vous voudrez, j'y vais. Allô, Reynaldo, bonjour. Bonjour, papa. Ça va? Eh bien,
Je viens de voir Anna Julia dans le jardin en train de jouer avec la petite et... Et elle m'a dit qu'elle passerait la matinée avec elle. Tu es au courant? Oui, oui, papa. Je suis au courant, bien sûr que oui. Et Valeria aussi le sait. Tu es sûr, Reynaldo? Elle m'a même dit qu'elle allait lui donner à manger des gâteaux. Comme si c'était sa nounou ou sa maman. Et moi, maman, je ne devrais pas m'en mêler, mais je n'ai pas l'impression que ce soit correct. Papa, je t'ai déjà dit que tout va bien. Du calme. En plus, je trouve ça bien qu'Andrea et Anna Julia se rapprochent. C'est très positif pour Anna Julia. Et même... Pour Valeria. D'ailleurs, tu vas voir que... Andrea va faire que ses deux amis vont se réconcilier. Tu verras. Reynaldo, tu ne peux pas faire ça. Surtout parce que tu ne sais toujours pas vraiment ce qui s'est passé le jour où Anna Julia a dit que... qu'Andrea Carolina est sa fille. J'espère que tu ne l'oublies pas. Ah bon, ça a vraiment été un plaisir énorme de te voir et être avec toi. Merci pour les arepas et pour tout. Et tu embrasses Andréina. Bien et sûr. Embrasse le bébé. Bien sûr, mais ne vous en faites pas. On va se revoir. On ne doit pas perdre contact. Oh, non, bien sûr que non. On ne va pas laisser passer tant de temps. Écoute, voilà mes numéros de téléphone. Oui. Et maintenant, plus que jamais, on doit aller jusqu'au bout. On sait que ce salopard est vulnérable. Tu m'appelles demain? Ben oui. Je compte sur toi. Bien sûr que oui. Écoute-moi, ne t'en fais pas. Les jours de Caillou sont vraiment comptés. Et pour tout ce qu'il a osé nous faire, il va le payer. Mais j'espère bien. Bon. Bon, allez. Que Dieu te bénisse. Allez. Que Dieu te bénisse. Embrasse la petite, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Allez. À bientôt, embrasse la petite. Allez, on y va. Ah. Et le petit. Oui, bien sûr. Allez, à bientôt. Fais attention à toi. Et prends bien soin de ta famille. Mais bien sûr. Allez. Ah, Doc. Et la blouse? Ces blouses qui sont courtes et qui sont ouvertes derrière, je ne dois pas en mettre une pour l'examen? Non, pas de blouse. Docteur, mais comment vous allez pouvoir m'examiner alors? Du calme, voyons. D'après ce que vous dites, il y a effectivement... Ah, mais donc vous comment voyez... Comment dire alors... Une espèce de protubérance fessière sur la zone. Mais vous le voyez bien, n'est-ce pas? Oui. Allez, docteur, auscultez-moi. Du calme, écoutez, le stress ne va pas nous aider dans cette situation. Docteur? Quoi donc, Asunta? Regardez, docteur. Pardon, docteur. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Pardon, hein? Ça va. Hey. Je reviens. Ok. Je reviens. C'est une urgence familiale. J'ai vraiment l'impression que je me suis fait complètement avoir par ce docteur. C'est pas cool. Et voilà! Oh là 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 là, vous devez être fatigué, ce bébé pèse lourd, non, pas vrai? Non, pour tout vous avouer, je ne m'en rends même pas compte. Je me sens tellement bien avec ma petite. C'est aussi ma petite à moi et celle de tout le monde ici. C'est la favorite de la famille. Oh, passez-la moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise dans les bras. Oh. Oui. Bon, moi, je dois m'en aller, pour l'instant. Au revoir, mon amour. Et je te l'ai dit, je vais t'apprendre à mettre les robes de tes poupées la prochaine fois. Ok. Bon, salut, j'y vais. Ciao. Au revoir, ma belle. Au revoir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à Anna Julia? Dites, Martina, entre nous, ça ne vous semble pas bizarre qu'Anna Julia ait cette passion soudaine pour la petite, dernièrement? Ah, taisez-vous, indiscrète. Ça suffit. Bon, bah moi, ça me semble bizarre, tout ça, hein. On va jouer dans ta maison? Oh, j'aurais bien aimé en avoir une. On va pouvoir jouer avec les poupées et tout, hein? Oh, regarde! Mais lève-toi, regarde comme c'est joli. Oh, j'aurais aimé avoir une poupée comme ça. Écoutez, ma belle, vous savez comment ça s'appelle, ça? Comment? Un manque de professionnalisme. Qu'en pensez-vous? Ah, franchement, vous avez raison. Je vous recommande de chercher un autre chirurgien. Parce que celui-ci, en fait, il aime les nénés. Oh.
Ah, vous voilà. Comment ça va, ce petit ange, hein? Oh. Comment ça s'est passé chez le médecin? Ah, très bien. Mmh. Il va très bien. Mmh. Bon, mais là, je dois aller le coucher comment parce qu'il s'endormait. Ok? Ouais. Mmh. On y va. Allez, Andrés, Andrés. Doucement, doucement. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, mon bébé. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Mmh. Oui, heureusement, le médecin a dit que tout allait parfaitement bien. Mmh. Oui. Dis, chérie, tu n'imagines pas qui est venu nous voir, hein? Qui est venu? Écoute. Omar Arojo. Ton parrain, papa? Oui, après toutes ces années, il est venu. Tu sais, il a contacté Ana Julia et... Bon, et bon, dans peu de temps, on va attraper cet assassin de Caio Gabalon. Tu vas voir, tout va s'arranger. Bon, Charlie, je sors. Mm-hmm. Ouais. Je vais aller au magasin chercher quelque chose. Ouais. Bon, au revoir, Margarita. Ciao. Au revoir, Margarita. Salut. Au revoir, à bientôt et merci, hein. Et tout ça grâce à la lettre que j'ai fait parvenir par Ana Julia et... Hein? Mm. Thierry, ma petite, tu m'entends? Papa, il y a quelque chose dont on doit parler tous les deux. Mm. Je veux que tu me l'expliques toi-même. Mm. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux savoir? La police a un dossier où il t'accuse de la mort de maman. Qui t'a dit ça, Charlie? Réponds-moi, papa. La police te cherche. Je t'ai demandé qui te l'a dit, Charlie. Alors c'est vrai, on n'est pas seulement poursuivi par ton ennemi, mais aussi par la police. Charlie, je te demande qui te l'a dit, Charlie. Qui t'a mis ces idées dans la tête? Personne ne me met des idées dans la tête. Personne, c'est là. Tout est écrit là-dessus. Tiens, regarde toi-même. Charlie. Alors c'est vrai. Alors on t'accuse d'avoir tué maman. Pourquoi tu me l'avais pas dit? Pourquoi? Chef, dites-moi, quelle nouvelle on a de la jungle? Ah oui, c'est vrai que je me suis réconcilié avec toi. Alors, tu poses des questions et tu veux des réponses. Je vais te dire. Des nouvelles concrètes, il n'y en a pas. J'ai parlé avec Sébastien, mais il ne m'a rien dit. Attendez une chose. Patron, qu'est-ce qu'il peut bien essayer d'obtenir auprès de cet aveugle? Tu fais quoi? Bon, qu'est-ce que tu veux? Tout simplement, il essaye de négocier l'affaire de l'enfant, mais ça, on ne le saura qu'une fois qu'il sera de retour. Chef, vous savez ce qui me préoccupe? Ah, ce qui, toi, te préoccupe. Voyons voir. Du calme, Checo, du calme. Dès que ce sera résolu, je vais te donner le feu vert pour que tu ailles dans la jungle pour en finir avec Bayardo Santa Cruz. Maintenant, je vais te demander un service. Disparais de ma vue. D'accord. Mon chéri, ne va pas me chercher au bureau parce que je rentre chez moi maintenant. Ne viens pas, je me sens vraiment mal. J'ai des nausées, mal à la tête, vraiment. Juancho, je suis sérieux, c'est bon. Toi, tu n'as pas eu de problème après avoir mangé chez Arojo hier? Du tout, non. Ah bon? Mais quoi, tu t'as la diarrhée? Non, mon chéri, je... Ah! Cette alarme est en train de me casser la tête.
Je te dis que je me sens mal, j'ai mal à la tête, je me sens mal à l'aise. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. J'ai envie d'être chez moi. D'y voir. Tu prends la pilule? Hein? Allez, ne me dis pas quand même que ce malaise, ça serait pour dissimuler quelque chose d'organique ou un truc du genre, comment dire? Tu ne serais pas... Oh, Waisho, tu dis vraiment n'importe quoi. Mon chéri, ça t'inquiète? Hein? Vraiment? Hmm? Ça serait la meilleure de l'année, mon chéri. Ahuja! Juancho! Mon amour, eh ben, tu fais quoi? Ça va? Bien, moi? Bien. Bah oui, qui d'autre? Tu fais quoi ici? Je regardais les voitures. Tu as vu la roue de ma voiture? T'as vu la roue? Tu as remarqué ma belle? Elle est dégonflée. Regarde, elle est dégonflée. Mais en bas, en fait. Tu vois? C'est parce qu'elle est très lourde. Tu vois, en haut, ça va. Parce qu'elle n'est pas écrasée. Tu vois? Je vais devenir dingue si ça continue comme ça. Je ne comprends pas, Juancho. Comment ça? Ça s'est dégonflé d'en bas. Je ne sais pas. Elle est dégonflée. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est un truc physique. Tu vas à la maison, pas vrai? Ok. Salut. On se voit là-bas. Ok. Salut. Ciao. Il est complètement fou, là. Chéri, qui t'a dit ça? Je te pose une question, Chéri. Chéri, qui te l'a dit? Je suis sûr que c'est Sébastien, hein? C'est cette famille qui est allée voir, hein? C'est pas ça qui importe! C'est que tu es recherché par la police et que tu ne me l'avais pas dit! Pourquoi? On doit partir d'ici, Chéri. Papa, tu ne m'as pas répondu! Pourquoi on t'accuse de la mort de maman? Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Il n'y a pas de temps pour les explications. Prends tes affaires. Prends tes affaires et celles du petit. Ils peuvent prévenir la police à tout moment. Moi, je ne m'en vais pas. Je ne vais pas mettre en danger la vie de mon fils. Je ne pars pas, je reste. Je t'en prie, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Prends tes affaires. Je vais chercher Indio pour qu'il nous aide à sortir d'ici. Un point, c'est tout, Chéri. C'est de la folie. Je ne vais pas partir, tu m'entends? Je ne vais pas partir. Je ne vais pas risquer la vie de mon fils à cause de toi. Tu m'entends? Tout ce que je te demande maintenant, c'est que tu me donnes du temps. Que tu me donnes du temps pour... Bon, pour faire assimiler tout, pour... Pour faire... Écoute, c'est pour faire que Reynaldo puisse au moins le comprendre. C'est tout ce que je te demande, c'est que ce soit un secret. Un secret entre nous deux, comme jusqu'à maintenant. Mais cette fois, ne te trompe pas, Valeria. Je ne vais rien accepter de plus. Tu es arrivée? Pourquoi si tôt? Anna Julia, je suis revenue parce que je me sens mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Tu te sens mal? Mais dis-moi ce que tu as. Je suis fatiguée, épuisée, tu sais. Mais une bonne aspirine et ça va passer. Bon, prends un verre. Tu as mal à la tête? Ouais. Bon. On va voir si ça passe. Voilà. Ah, Anna Julia, raconte. Comment ça se fait que tu aies passé toute la matinée chez les Gabaldon? Enfin. Oh, j'ai pas pu avant. Alors, Valeria, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, j'ai appris qu'Anna Julia a passé toute la matinée avec la petite et qu'elle s'est occupée d'elle. Tu penses le dire quand à Reynaldo? Je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas. Valeria... Je te le répète, je n'en sais rien.
Valeria, comment ça, tu ne sais pas? Alors qu'il est, Anna Julia a déjà du tout raconté à Maruja. Et là, ça va être ma fête. Elle va me tuer, c'est évident. Est-ce que tu te rends compte? Tante? Comment ça, tante Anna Julia? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Mais oui, oui, Maruja. Oui, Andrea Carolina. Oui, eh bien, ta nièce. Valeria nous a menti. Valeria n'a pas perdu cette grossesse et Andrea Carolina est ma fille. Il y a des moments dans la vie où une mère doit prendre des décisions. Je veux graver ton souvenir. Je veux graver ton souvenir, mon petit. Parce que je ne sais pas ce que nous réserve le destin. Tout ce que je sais, c'est que tu mérites d'être protégé de la laideur et de la noirceur du monde. De la méchanceté des êtres qui ne connaissent pas l'amour. Qu'est-ce qui se passe, Cherry? Tu pleures? Pourquoi? Tiens, oh, Sébastien, emmène-le. Emmène-le, s'il te plaît. Écoute, Corinna, je me fiche éperdument de ce que dit Maruja. Je n'ai pas perdu cette bataille. Bon, Valeria. Mais comment tu peux dire ça, dis-moi, avec tout ce qui t'attend? Il va bien falloir l'affronter. Écoute, tu dois tout raconter à Rinaldo, aujourd'hui même, tout de suite, Valeria. Il n'en est pas question, ok? Non. Mais enfin, comment ça, non? Et tu penses lui dire quand? Allez, stop, Corinna, stop. Stop, arrête, tu me saoules. Jamais, je ne lui dirai jamais. Et tu ne viens pas avec nous? Non, 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 emmène-le, s'il te plaît. Emmène-le loin d'ici. Mais Chari, s'il te plaît, viens avec nous. Non. Enfin, André a besoin de sa maman, Chari, s'il te plaît. André a besoin de toi. Il faut le protéger, Sébastien. Tu dois le faire. Tu dois le faire, s'il te plaît. Va-t'en avant que mon père ne revienne. Chari, s'il te plaît, je t'en supplie, viens avec nous. Non, ne me redis pas ça, s'il te plaît. Ça a été trop dur de prendre cette décision. Emmène-le avec toi. Avec toi, il est en sécurité. Non, pas avec moi. Ne m'oblige pas à partir sans toi, s'il te plaît. André a besoin de toi. Je te l'ai dit, ce qu'il faut, c'est qu'il soit en sécurité. Il va avoir besoin de toi, pas de moi. Avec moi, il est en danger. S'il te plaît, je ne veux pas le regretter, s'il te plaît. Emmène-le. Je t'aime, mon bébé. Responder a tanta inspiración y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de